عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء المستوى الأولى بكالوريا، معكم يوسف دلال من خلال قناتكم قناة جوكوميني تي في للفهم والاستيعاب لمادة الفرنسية وللتحضير للامتحان الجهوي المقبل. إليكم هذا النص مقتبس من رواية لا بواط ا ميرفاي أحمد الصفراوي. إذا انتبهوا معايا، إذا في هذا الفيديو سوف نقوم بقراءة هذا المقطع من الرواية الشهيرة لاباط ا ميرفاي أحمد الصفراوي. لنستمعوا جيدا. Les prédictions de Sidi Al-Arafi, me disais-je, se réaliseront. Mais quelles prédictions? Il a parlé en termes s'est voilé, ai-je bien saisi le sens des mots? Je comprenais tout en présence de cet homme. Il n'était plus là. Mais il me restait une sensation de liberté que je ne connaissais pas jusqu'alors. Ces paroles que j'avais bues avec avidité s'étaient transformées dans mes entrailles en pure musique. La fatigue ne pesait plus sur mes épaules, je me mis à danser. Ma mère et l'Aïcha ne me voyaient plus, elles marchaient côte à côte plongées dans leurs réflexions. Brusquement, je cessais de gambader pour courir me cacher dans les plis de haïk de ma mère. Ce mouvement réveilla son attention. Qu'as-tu? Tu es blanc comme un linge. Qu'est-ce qui peut t'effrayer? Parle donc. Je persistais dans mon mutisme et me serais davantage contre ma mère. Laila Aïcha intervint. Qu'a-t-il donc? Peut-être souffre-t-il de maux de ventre. Il ne veut rien me dire. Il tremble comme une feuille. Parle, tête de mule. Je quittai les plis de haïk et je respirai profondément. Je dis enfin. J'ai eu peur. De qui as-tu eu peur? J'ai vu passer le frère et mon maître, il a tourné à gauche, il est parti par la petite rue, il aurait pu me voir. Qu'est-ce que cela pouvait faire s'il t'avait vu? N'es-tu pas malade? N'es-tu pas accompagné de ta mère? Un enfant qui accompagne sa mère ne peut pas être accusé de vagabondage. Oui, répondis-je, mais un enfant malade ne se promène pas dans la rue, même accompagné de ma mère. Si nous avions rencontré le frère, je lui aurais expliqué que t'avais emmené voir un médecin. Simple excuse, aurait-il pensé à mon retour au Msid. Il m'aurait fait payer cher ma promenade. Ma mère soupira et dit à l'adresse de l'Elaïcha. On ne peut plus faire entendre raison à cet enfant. Il discute comme un homme. إذن هذا هو المقطع من الرواية الشهيرة ديال لاباط ا ميرفاي أحمد الصفراوي. هذا مقتبس من امتحان جهوي لجهة طنجة الحسيمة في 2017. إذن أتمنى الجميع نجاح موفق إن شاء الله في هذا الامتحان الجهوي 2020. إذن في الفيديو القادم سوف أقدم لكم الأسئلة المتعلقة بهذا الامتحان الجهوي، سوف نقوم بشرحه بشكل مفصل. إلى اللقاء. كان معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جوكوميك تي في للفهم والاستيعاب لمادة الفرنسية وللتحضير الجيد للامتحان الجهوي. إلى اللقاء.